Dans le cadre de l'entente de développement culturel de la Ville de Sainte-Marie et du ministère de la Culture, les Dames du Cercle de fermières de Sainte-Marie proposent une activité qui s'appelle Artisanat Jeunesse, où les jeunes de 8 à 14 ans pourront apprendre à tricoter. Alors, le résultat, ce sera un mignon petit chat en tricot. Alors, c'est une invitation à s'inscrire par le biais du programme Loisirs dès le 4 janvier. Et l'activité débute le 14 janvier ici à la bibliothèque au deuxième étage. Alors, c'est un rendez-vous avec nos expertes du milieu, les dames du Cercle de fermières de Sainte-Marie, pour apprendre à tricoter. Toujours dans le cadre de l'entente de développement culturel entre la Ville de Sainte-Marie et le ministère de la Culture, les Dames du Cercle de fermières de Sainte-Marie convient les gens qui voudraient apprendre à tricoter à un beau rendez-vous les mardis soirs de 19h à 21h dès le 31 janvier. Et ça s'adresse aux adultes, donc nos expertes du milieu vont enseigner les rudiments de base du tricot à raison de 5 beaux rendez-vous. Alors, c'est une invitation aux adultes dès le 31 janvier. Vous aimez tricoter et échanger vos trucs avec d'autres passionnés de tricot? Alors, Tricot Biblio vous offre cette possibilité à raison d'un rendez-vous par mois à la bibliothèque. C'est donc un rendez-vous dès le 17 janvier à la bibliothèque, les jeudis après-midi. L'horaire est affiché, bien sûr, à la bibliothèque. C'est gratuit pour nos abonnés et c'est les dames du Cercle de fermières qui sont, bien sûr, les animatrices de ces belles rencontres. Alors, c'est une belle occasion d'échanger des trucs, de débloquer des fois des tricots qui sont un petit peu mal pris. Alors, c'est un beau rendez-vous de façon informelle. On peut prendre un café ensemble, discuter et bien sûr, c'est du plaisir garanti à tout coup.